Et eh bien, du coup, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on commence par le petit bout de démo que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer les, les coulisses derrière. Voilà, pour vous prouver que c'est bien moi. Pour que vous soyez sûr que ce soit moi. Voilà, alors je vais vous montrer le détail de ce qui est derrière tout ça. Hop, ça détecte à peu près tous les mouvements. J'ai un peu de latence parce que je n'ai pas fait des, des réglages ultra précis. Et pour l'instant, euh, ça passe par une capture de fenêtre de leur application. Qui fait en fait du, euh, bah, du body tracking et du facial tracking. Mais après, c'est compatible avec d'autres applis plus performantes. Là, leur... Euh, donc ça s'appelle Webcam Motion. Je vais vous donner tout de suite le site. Mais. Euh, c'est pas euh, leur application de, de ReSaver est écrite en Unity, c'est pas ce qu y a est plus réactif. Je sais pas si ça fait du facial tracking, mais ça fait du facial tracking. Dis donc, c'est pas parce que t'as pas streamé qu'il faut commencer à dire des conneries, toi. Hein ça va, hein. Sinon, je me fâche, hein. Donc voilà, globalement, je vais vous montrer la, la UI et puis il euh, euh, y a un certain nombre de réglages qu'on va pouvoir. Donc, ce que je disais, c'est que l'avatar en question, euh, c'est un standard qui s'appelle VRM. Je vais vous montrer un petit peu tous les, les sites où on peut avoir des modèles. On peut régler la position du modèle. Euh, voilà, la position exacte, autant que faire se peut. L'inclinaison. Voilà, on a pas mal de réglages. Euh, voilà, si je fais à distance, le personnage est, est complet. Donc, euh, voilà, c'est assez rigolo. Voilà. Et après, il bah, y a des réglages en fonction de la performance et de ce que vous recherchez. Notamment ici, le paramètre qui s'appelle euh, Body Filter. Euh, plus la valeur est petite, plus le tracking sera rapide, mais il sera souvent un peu plus brouillon. Ah, il faut que je trouve un avatar un peu plus impressionnant pour dire sinon je me fâche, c'est ça. <laughs> bonjour. À... Alors du coup bonjour à toutes et à tous euh, qui je n'ai pas vu l'an dernier. J'ai vu qui avait Olivier. Salut Guillaume, Stéphane. Aurélie... Ah bah tiens, Kios aussi. Qui en a d'autres Oh non, non ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Et nous avons Mr. Quidam, je, je, je ne fais pas le lien entre ton pseudo et la personne. Voilà. Et Noivoting e Voting aussi. Euh, donc voilà, parmi les réglages euh, qui peuvent être intéressants, il y a le fait aussi de pouvoir utiliser des animations préconfigurées. Euh, je vais vous montrer le, le site. Après, il y a tout un, un outil euh, virtuel qui permet de définir l'avatar, euh, son squelette, euh, ce genre de choses. Et pour le, les expressions du visage, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu la bouche, mais ça marche moyennement. J'ai pas eu le temps de finir le setup. Normalement, il faut passer par une appli euh, sur téléphone, notamment sur iPhone, qui est plus précise avec la caméra, le lidar et tout ça, et qui transmet. Il y a un protocole qui existe les informations de tracking. Ah, de Squad Dresser, Mr. pardon. Oui, 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 Et de codeur en scène, bien sûr. Oui, oui, pardon. Et hop, je crois que c'est dedans, alors je sais plus. J'ai pas eu le temps de tout regarder, je vous cache pas. Ça a été ma petite démo express tout à l'heure. Donc, On peut faire des fonds transparents. On peut surtout mettre une couleur est-ce que je peux en temps réel ouais non je vais pas pouvoir sur une fenêtre de capture motion euh, sinon j'aurais pu mettre un petit filtre si je vais le rajouter là hop euh, il y a longtemps que j'ai pas joué à ça non pas dans les filtres audio bonnet je suis en train de regarder dans OBS, euh, je crois que c'est le Chroma Key, voilà. Et, voilà, par contre, il supprime pas. Voilà. Bon, ça, c'est sur l'ensemble. Et je dois pas être sur le bon vert pour qu'il détecte correctement. Là, il a mis tout transparent. Non, pas de à fait. Ouais, c'est pas mal là. Voilà, ce qui du coup me permettrait de le réduire un peu. Hop. Donc là je suis en mode mirror, hein. c'est pour ça que vous voyez les deux en même temps. Euh, vous voyez, il y a quand même un petit temps de latence, puis ça marche pas à tous les coups, parce que si j'ai bougé après c'est parcalé. Voilà. Ah, ça fonctionne plutôt bien, hein, honnêtement. Hein. On dirait une marionnette, ouais, ouais. Euh, mais c'est... Ouais si, je trouve que c'est quand même pas mal... C'est pas mal fait. Euh, on peut l'envoyer parce que cet outil, c'est aussi un outil qui permet d'enregistrer avec d'autres applications qui vont enregistrer le squelette du modèle qui est derrière pour un jeu, pour un tas de trucs. Euh, L'appli, c'est une appli Unity avec euh, du natif qui fait la capture. Il y a deux applications. C'est-à-dire, pour vous montrer ça, j'ai repassé dans la vue normale avec le desk. Voilà. Euh... Voilà, il y, y a un outil qui permet la capture, puis vous voyez les, les, les éléments voilà, qu'il a détectés en termes de, de squelette en fait. Hein. Donc là on voit qu'il a bien détecté la main. Voilà. Ça permet quand même de savoir un petit peu ce qui se passe. Euh, et l'idée c'est aussi de... Ouais, L'avantage c'est que je ne suis pas obligé de ranger mon bureau, je peux laisser en vrac, très clairement. Euh... On peut aussi, euh, si euh, là déjà il y a de la latence, pour beaucoup moins de latence, on peut passer en mode vidéo et quand vous passez en mode vidéo, vous lui donnez un fichier vidéo tout près. Et il va... Ouais, si tu veux, je peux te faire un petit... Euh... Ah tu vois, le Star Trek Salute, il n'en veut pas. Hein là, il voit même plus. Il ne voit même plus mon bras. Donc ça, c'est assez... Euh... J'ai remarqué que l'application... Euh... Voilà. Hop, un petit Star Trek Salute, je ne sais pas si s'efface, voilà. Mais je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même euh, c'est quand même impressionnant. Et je voulais vous partager ce truc là donc je disais ouais c'est surtout euh, utiliser euh, on peut capturer par exemple avec Blender l'animation, on peut enfin euh, on peut euh, on peut imaginer tout un tas de tout un tas de scénarios. Hop, voilà donc on va mettre un fond évidemment mais vous pouvez changer l'image, hein, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. C'est euh, plutôt bien fichu. Euh, J'avoue que même le peu de temps que je me suis amusé, par principe, euh, si on veut, alors je ne sais plus, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas dispo dans la version. Il y a un fritière hein, qui permet pas mal de choses. Euh, mais je crois que ça garde, si je mets ce mode-là par exemple, ça garde de toute façon une petite signature qui dit que c'est webcam motion. Euh, ce qui est fair-play. Hein. Et je leur ai donné, ça coûte de 2 dollars par mois. Donc j'ai au moins donné le premier mois. Je verrai si je l'utilise par la suite, je le garderai, c'est pas très cher. Je trouve que le service est quand même bien fichu. Je vais surtout aller voir, donc c'est ce que je voulais vous montrer ensuite. Je vais couper ça, ne sachant pas les conséquences sur les perfs. On va pas trop chercher les problèmes. Hop. Euh... <coughs> Pardon. Donc, comme j'ai préparé la démo, j'ai pas préparé mon petit fichier pour tout à l'heure. Donc. Je vais être obligé de vous partager à la main les liens que je mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà le lien. Euh... Voilà après quand le setup est un peu plus costaud, que le tracking est réglé de manière plus fine, on peut aller. C'est vrai que ça fonctionne. Donc euh, j'imagine que moi ce que j'ai fait en je sais pas une dizaine de minutes, un quart d'heure de réglage, on doit pouvoir faire beaucoup mieux. On peut sauvegarder les données de. Déplacement au niveau du squelette, des mains et du, des expressions dans un format qui, qui est dans un protocole reconnu par d'autres applications. Euh, il me semblait qu'il y avait une explication Blender. Ah non, c'est sur leur, euh, ah, là, leur chaîne. Voilà. Ils ont une petite chaîne web où on montre pour euh, l'utilisation dans Blender. Pour l'utiliser avec le Unreal Engine et puis comme ils le font là avec euh, avec Unity. Donc je trouvais que c'était un, bah franchement c'est un plutôt un, un bel outil, bien fonctionnel je trouve. Euh, et puis euh, et puis on verra jusqu'où ça va. Il leur manque, à mon sens, mais comme c'est compatible avec d'autres outils, il faut que je trouve comment en faire une une petite caméra virtuelle. Donc là ça pourrait faire des meetings intéressants. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, par la suite, il conseille d'utiliser le site alors je vais prendre le lien hop, central c'est un hub de modèle qui s'appelle Veroid hop je vais vous le mettre aussi tac et j'ai pas encore vu la, la, la techno qui est derrière mais euh, c'est un peu ce que je disais l'autre fois à la limite quand je suis utilisateur que ça soit du lia du quantique du, euh, du web magique ou euh, ce que tu veux du moment que ça fonctionne je m'en fiche un peu mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas cherché à savoir euh, ils donnent pas beaucoup d'infos sur leur site sur la, la techno qu'ils utilisent euh, voilà donc ça c'était pour vous donner le lien sur le hub et sinon Il y a un outil qui va avec que je n'ai pas testé encore. Je ne sais même pas s'il est gratuit, payant la licence, j'en sais rien. Qui permet d'éditer les modèles et, et puis d'adapter de, de, à ce que vous voulez exactement. Salut, salut Fixulab euh, Moi j'ai trouvé ça sympa, donc je voulais évidemment vous partager ça. Alors même s'il n'y euh, a pas eu euh, votre dose de news tech avec euh, l'ami euh, Olivier, il est venu se cacher dans, dans l'assistance aujourd'hui. J'ai quand même un truc qui aurait pu être dans ton émission. Alors, je vais vous donner le lien tout de suite. Hop, parce que j'ai bien aimé comme c'était annoncé et présenté. C'est ah oui, tu donnes des cours aujourd'hui, c'est ça. Euh, J'aime beaucoup parce que c'est <coughs> pardon les outils de networking euh, Linux et, euh, et je trouve ça euh, plutôt, plutôt sympa comme ils ont listé ça. Euh, où est-ce que j'ai vu Il y avait un truc un peu plus... Euh... Voilà, il y a un petit, un petit mot pour chaque et ça vous liste les, les différents outils. Oui, c'est un... C'est un élément de. Oui, c'est un, un sketch note de Gila Evans. Mais d'ailleurs, si tu regardes le tweet là de Security Tribe, tu as, tu as indiqué, tu as répondu. Thanks for mentioning the house. Donc tu, as, tu es intervenu, tu vois. Et euh, voilà, il y a des petites notes d'humour sur certains. Mais en tout cas, euh, je m'étais repenché un peu sur ce qui était réseau euh, à la base par le côté gaming quand je vous ai montré Greak. Et du coup, ça m'a donné envie de re regarder à nouveau où en était euh, le monde du réseau que je connais pas tant que ça. J'en ai fait, j'en ai fait un peu, mais pas tant que ça. Euh, ça permet de, de faire un tour de tout ce qui existe. Donc, euh, bon, les HTTP je connaissais évidemment les curl, les ping, les les get. Mais il euh, euh, y a d'autres outils. Euh, je connaissais pas la. Il y a un outil de GUI sur Nmap qui s'appelle Zenmap. J'irai regarder euh, ce que ça fait exactement. Euh, je voulais voir aussi euh, T-Shark qui est donc... Euh, moi je connaissais WireShark qui permettait de, de, de récupérer, enfin d'explorer les, les paquets dans une interface. Euh, visiblement il y a un T-Shark, c'est la version en ligne de commande, donc euh, j'irai regarder ce qu'il y a dedans. Mais ouais, ouais je, je, rien que par curiosité, euh, et encore une fois, même si ce n'est pas ultra graphique, c'est suffisamment graphique euh, pour avoir... Euh, ben, capturer mon attention au moment où le, la timeline j'étais en train de dérouler tout ça et ça donne envie de, de regarder ce qu'il y a derrière chacun de ces petits trucs donc euh, voilà je pense que le but est atteint et, euh, et ça me permettra euh, il y a très longtemps que j'ai pas creusé ce qu'il y avait derrière les couches réseau euh, aujourd'hui j'ai déjà du mal et pourtant ça date de quelques années avec les histoires de renommage des interfaces réseau Non, mais je pense qu'il peut chanter, il peut chanter Goose, euh, il n'y a pas de raison. <laughs> Donc voilà, c'était le petit truc. Euh, j'ai fait un petit pic de son, j'ai dû vous casser les oreilles, désolé. Euh, je voulais vous montrer cet élément-là. Comme d'habitude, on reste dans mes signés. Euh, mais c'est de là que ça part. Je voulais vous signaler, alors on va parler un petit peu de Go, on va parler de plusieurs trucs qui concernent Go. Euh, on a la conférence GoLab qui a commencé aujourd'hui. Euh, Coucou Philippe et tous les autres qui sont là-bas. On a notamment une partie des équipes qui bossent autour de TinyGo, notamment Conero, euh, qui a le, le Gopher Badge, si vous vous rappelez, dont j'espère encore pouvoir faire un usage un peu plus éducatif encore. Euh, il va notamment présenter, alors c'est un autre de mes... Je crois que c'est un autre des tweets que j'ai notés en dessous. Je reviens, j'ai pas oublié, voilà. Je vais vous mettre ça aussi. Alors je vais l'ouvrir comme ça, je suis obligé de, je suis obligé de le. Voilà. Je vous mets l'URL. Hop. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, les histoires de, de nommage de réseau EN3XB12K43. Euh, hein franchement, ETH 01234, c'était très bien. Euh, je voulais vous reparler donc de Conero qui va présenter a priori un talk où il, euh, il a un outil basé euh, donc sur euh, la, la partie, le framework Blockly pour avoir euh, une programmation TinyGo mais par bloc. Et visiblement, il va jusqu'au bout puisque il va jusqu'à proposer euh, tout ce qu'il faut dans cet outil pour euh, développer... En Web Assembly et euh, à destination de Ouzi. Donc euh, je, suis, euh, je vais attendre sagement que le, Alors, je sais pas, je vois qu'il y a d'autres réponses. Euh, non, c'est quand j'avais répondu. Il dit que c'est encore, c'est encore pas tout sec, mais c'est pas grave, ça, ça va venir. Et euh, je sais plus où j'avais vu. Il me semble qu'il y avait l'heure de son talk. Enfin, en tout cas, je n'y suis pas. C'est à Florence en ce moment. Et donc, euh, je pense que ça va être intéressant. D'avoir un outil comme ça pour présenter Tiny Go Ego, je, je pense que c'est pas mal du tout. Alors, pour Aurélie et pour tous les autres, n'hésitez pas à suivre Philippe Charrière, qui gorgue soit sur Twitch, soit sur sa chaîne YouTube. Je pense qu'il met les replays après. Il a attaqué une série on est à la troisième ou quatrième session. Où il part des bases, des bases, de bases de ce qu'est WebAssembly, comment écrire ses premières lignes de WebAssembly, et petit à petit il monte dans les frameworks qui simplifient WebAssembly, mais comme il y a eu les premières sessions, vous savez ce qu'il y a dessous, et euh, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder euh, ces replays, évidemment comme d'habitude avec Philippe, c'est très bien fait, je vous conseille. Euh, hop, l'autre news autour de Go que je voulais partager avec vous, je vais faire pareil, je vais vous la copier, je la mettrai dans la description du replay sur YouTube après. Voilà. Euh, il s'agit de Hajime Oshi qui est euh, derrière le framework ou l'engine, je ne sais pas comment on dit, Ebit euh, Engine, qui est un, un framework pour faire des jeux en 2D en Go. Je vous en avais déjà parlé. Et là donc il a lancé un Patreon euh, si vous voulez le, le soutenir. Euh, n'hésitez pas, si vous avez euh, un peu de monnaie à donner régulièrement, euh, passez par son Patreon et aidez-le à financer Ebiten. Ebiten, euh, où j'avais fait quelques essais, il me semble que je leur avoir des vidéos où je vous montrais un petit peu quelques bases, c'est toujours... Euh... Enfin, c'est un outil qui est bien fait, il... en plus il est super sympa quand vous lui posez des questions, il prend le temps de répondre et tout, donc euh... c'était euh... à noter. Voilà... Alors là, on va pouvoir même parler de euh, enfin en l'occurrence, c'est Aurélie qui m'a qui m'a rafraîchi la mémoire sur ce projet que j'avais euh, malencontreusement oublié. Donc on va donner le lien du tweet d'Aurélie même si c'est le projet qui est derrière dont je vais vous parler. Tac. Et voilà. Il s'agit du projet GB Basic. On va aller, je pense, sur le site. Voilà, tac, voilà le site lui-même. Euh, c'est une, euh, une des nombreuses Fantasy consoles, comme Pico 8, comme d'autres. Sauf que là, l'idée, c'est que cette petite console portable, on la programme avec un langage qu'ils ont appelé le GB Basic. Et à partir de ces outils-là, on peut générer une ROM qui est compatible avec, euh, avec le vrai matériel Game Boy. Euh, C'est un, un dialecte basique. Euh, il, si j'ai bien vu les dernières versions, ils ont euh, déjà des choses pour euh, les assets graphiques, euh, les vôtres. Hein. Au début, c'était juste les sets qu'ils avaient fournis. Euh, ils donnent des spécifications et les limitations qu'il a données à la Fantasy Console. Donc, on se limite en, en 160 par 144. Euh, il y a une version dite classique et une version avec des couleurs. Et euh, pour l'instant, il n'a pas sorti encore la version de ces outils-là sous macOS. Donc c'est ce qui a sauvé mon week-end Aurélie. comme il n'y avait pas la version. J'ai dit allez, je fais comme si j'avais pas une machine Linux à, à peu près 40 cm. Euh, non en fait j'ai bossé du coup sur le Raspberry et j'ai pas, pas fini le setup, mais probablement que je ferai mes essais avec le Raspberry, ça a l'air suffisant pour faire tourner. Et je, je voulais vous, vous parler de ça parce que, bah parce que je vais évidemment l'essayer et que je vais voir si ça fait un nouvel outil pour programmer des trucs qui vont aller directement sur les Game Boy ou pas. Déjà en Fantasy Console, je trouve ça toujours intéressant. Je me suis inscrit sur les différents programmes et tout ça. Et puis, euh, probablement que s'il en fait une version payante, je trouve ça. Si c'est aussi bien fait que ça en a l'air, je contribuerai également. Voilà, on peut. On peut sans deux tonnes de matériel. Il y a pas mal de choses incluses comme dans les autres fantasy console. Il hein. y a euh, un éditeur qui permet d'avoir ses, ses petits sons. Euh, on élabore sa, sa signature sonore. Après on a des trackers pour faire les musiques. Il euh, y a un petit gestionnaire de, de fichiers. Il enfin, y, y a tous les outils qu'on peut attendre de ce genre de... On peut gérer les fontes. Enfin, voilà. Euh... Mais j'en dirai pas plus, puisque pour l'instant... J'ai pas pu jouer avec, mais je jouerai avec. Soyez-en certains. Euh, au passage, euh, bah là en l'occurrence, c'est Denis, la mise Windler, qui rappelle que la plupart des CFP des devrooms du Fosdem sont ouverts. Euh, je ne sais toujours pas si je pose quelque chose ou pas. Je vais y réfléchir. Donc le Fosdem, ça peut être euh, l'occasion d'aller. Euh, D'aller parler, entre autres, des sujets autour, autour de Go, Tiny Go, euh, que sais-je, c'est de toute façon assez ouvert. Euh, bah vous voyez que j'ai mis dans mes, euh, dans mes liens, euh, j'ai plein de confs à regarder, j'ai pas pu aller à votre camp cette année. Euh, j'étais bien où j'étais, hein, j'étais à Gadir, ça se passait bien pour moi. Mais du coup, j'ai raté des jolis, euh, des jolis talks et euh, j'avais celui... Euh, celui sur euh, un, un clone de l'algo de Shazam par euh, Mustafa Agak. et, euh, et j'ai commencé à regarder le début. Je trouvais ça vachement intéressant, donc je me, je me suis mis de côté. Je vais regarder ça calmement. Je vous le conseille aussi. Euh... Ah, il y avait une version au DevFest Fest Toulouse aussi. Bon, je suis, pas, je suis pas difficile. Je peux, je peux regarder les deux versions. Il n'y a pas de problème. Ça me va dans les deux cas. Ouais, tu as pu le regarder. Du coup, Goose, tu l'as vu. Ouais. Euh, non, mais le, le, le peu que j'en ai vu, c'est pas mal. C'est sympa son approche. Donc, euh, si vous êtes curieux de savoir comment, euh, avec quelques maths, euh, quelques bouts de code, on peut arriver à faire un clone de Shazam, c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout. Toc-toc. Euh, Dans mes petits liens, au passage, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle. Euh, alors, ça s'appelle JoyP. Une nouvelle petite plateforme. Euh, si vous voulez faire de l'expérimentation avec des Raspberry ou autres, parce que je pense qu'il y a moyen d'utiliser avec. Euh, bah là aussi, le signal pour Arduino pardon, et ESP32. Hein, D'avoir une, euh, une petite mallette à expérimentation pour faire des petites démos éventuellement. Euh, C'est peut-être un peu overkill pour faire des cours. Euh, ce qui me fait penser qu'il faut que. Coucou les amis de, de chez QB, pitié, ne m'oubliez pas. Je suis censé avoir un kit cette semaine qui va me manquer si je ne l'ai pas, mais je vous tiendrai au courant de ce qu'il y a dedans, euh, basé sur du euh, Raspberry Pico. Mais là, ouais, ça peut être une mallette sympa. Oui, il ne m'en parlait pas, euh, le talk sur la GC de, de Olivier que j'ai raté pour... Euh, et pourtant, j'étais à Nantes et bien je l'ai raté. Euh, je reprenais mon train et euh, je n'étais pas à Toulouse non plus. Euh, C'est pas pareil quand on est en replay. Celui-là, il faudra que je le voie un de ces quatre. J'espère qu'il y aura encore d'autres fois. Non, non, en replay, mais je l'ai déjà vu en replay, tu penses bien. Mais de le, de le voir en vrai, j'aimerais beaucoup. Euh, voilà. Euh, vu qu'il n'y a personne pour me faire drifter, eh ben, on arrive à rester dans les temps. Hein. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui Je ne crois pas. Euh, je pense qu'il faudra que j'aille voir du côté des outils dont j'ai parlé tout à l'heure, de faire un test de, de Veroid. Euh, Non-using ah bah, Tu vas rater le FOSDEM, je ne je, je sais pas trop. Il je... faut que je regarde les dates, les agendas, les possibilités. Ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus simple. J'ai la sensation d'oublier... Ah, mais bien sûr, voilà le sujet. Je vais être obligé de... Alors j'ai fait un peu les, les Linux Network Tools pour faire un peu mon Olivier, mais forcément Olivier en aurait parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi ce week-end le petit, le petit drama, le nouveau drama de la tech autour de OpenAI. Euh, moi je vous le dis tout de suite, j'ai n'ai pas eu une larme qui est tombée à aucun moment, ça m'a beaucoup fait rigoler. Que tous ces braves requins s'échangent à coups de billets leurs positions, ouais, les feux de l'amour, les feux des biftons. Hein. Euh, donc les, les news qui sont passées, euh, si je fais un résumé assez court, c'est Sam Altman qui était euh, à la tête de, de OpenAI, qui était un des fondateurs, qui a été débarqué par le board de OpenAI. Donc euh, je ne sais pas exactement comment le board est, est composé, mais c'est des représentants normalement de l'actionnariat, j'imagine. Euh, donc probablement. Euh, que Microsoft a un assez gros siège, parce que je crois qu'ils ont 49%, donc ils doivent être bien présents, toujours est-il, qu'il y avait l'annonce comme ça, hop, il a été convoqué, et il a été remercié, parce que, alors, l'annonce qui a été faite en interne tout de suite derrière pour assurer, puis pour rassurer les marchés, c'est que non, non, mais il n'y a pas de problème, ni la stratégie, ni la technologie, gna gna gna, mais non, mais on n'a pas confiance. Euh, Il ne communiquent pas de manière candide avec nous. Alors, je sais pas ce que ça veut dire de manière candide. Est-ce qu'il a refusé de se faire carotter Ou si c'est le contraire, c'est lui qui les a eus. Euh, entre requins qui vivent leur vie, euh, moi je vis la mienne. Euh, mais euh, ça rebondissait dans tous les sens. Des tweets de toute l'équipe qui disaient que, puisque c'était comme ça, nous on aime ça Altman, on va démissionner d'OpenAI. Je ne sais même pas s'ils sont allés jusqu'à la démission au final. Dans le week-end, à nouveau, dans l'autre sens, on annonce que finalement ils vont reprendre... Euh, ils vont reprendre euh, euh, peut-être Sam Altman euh, finalement. Euh, euh, alors le board, c'est pas des actionnaires. Ben, un board, il y a quand même un lien avec les actionnaires. Ouais, après tu fais une conclusion un peu rapide, je vais y venir. Et du coup... Euh, ce matin, si j'ai bien pigé, non, c'est pas Sam Altman qui est repris comme CEO, mais c'est l'ancien CEO de Twitter qui serait repris, et Sam Altman rejoindrait directement Microsoft, euh, parce que tu comprends, ils sont gentils avec lui et je sais pas quoi. J'ai arrêté, il n'y a pas de divergence produit, recherche ou éthique, j'y crois pas une seconde. Il doit y avoir un gros chèque qui se balade au milieu de tout ça, et on le saura jamais. Euh, je, je ne crois pas dans la bonté de ces gens-là à ce niveau-là, j'y crois pas une seconde. Donc euh, ce qui a été annoncé, c'était des histoires de communication et je le coup de moi je suis un grand fan de la recherche et je veux que ça avance vite au lieu de faire des produits euh, j'y crois pas bien mais bon peu importe ça c'est du drama mais euh... ouais non il y a pas à lutter de toute façon je vois pas ce qu'il y a à lutter euh, c'est des gens je les croiserai jamais ce qui font évidemment un impact sur des choses qui peuvent ricocher jusqu'à moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si je m'inquiétais à chaque fois qu'un millionnaire, un multimillionnaire ou un milliardaire éternue C'est pas. Quelle que soit la qualité des gens derrière, je, je ne doute pas de, de, de l'intelligence de toutes ces personnes-là, mais euh, je pense qu'on aurait du mal à avoir des conversations de toute façon. Voilà, c'était le, dr le drama du week-end. Les feux de l'amour et ça a rebondi jusqu'à ce matin. C'était quand même. C'était quand même quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt savoureux. Euh, voilà. C'était les, les petits rebours, rebondissements du week-end. C'était pas bien grave. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que, euh, effectivement, ça fait avancer différemment euh, tout ce qui est les produits IA Est-ce que OpenAI va stagner Est-ce que c'est Microsoft qui va accélérer J'ai du mal à suivre. Euh... Ce qui peut en être, moi tout ce que j'avais comme hypothèse, c'est que j'avais vu la, la keynote des DFD euh, où on voit très clairement euh, Sam Altman quand le CEO de Microsoft vient sur scène, il lui pose une question qui n'était pas prévue, donc euh, est-ce qu'il y a une petite course à la quéquette et à l'ego chez ces braves monsieur euh, Je ne sais pas et je m'en fous complètement. Voilà, vous avez mon, mon résumé. Je, ça aurait été intéressant, en fait, parce que j'avais prévu de faire le résumé, même si Olivier faisait un résumé avant moi. Ça aurait fait deux, deux approches. J'aurais été curieux de voir comment tu présentais la chose. Je te laisserai faire ça à, à tête reposée dans une semaine. On verra ce que ça donne. Ça peut être intéressant de voir ta vision de l'autre côté, de comment, comment toi tu vois le, le truc. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Et euh, c'est pas mal pour un lundi, hein? J'ai pas, pas fait plus que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire Je vous ai pas fait 36, 15 My Life, mais euh, ce week-end, j'ai bossé... Euh... Alors peut-être qu'il y en a qui regardent, d'ailleurs, parce que j'ai attaqué mes cours à l'école IPI à Lyon. Et, euh, et pour éviter les pauvres petits qui se fatiguent à aller faire des recherches sur Google, j'ai donné mon alias, j'ai donné les pages où on pouvait me retrouver. Euh, donc pendant le cours, il y en a que ça faisait marrer parce qu'ils sont tombés sur certaines de mes reprises musicales sur ma chaîne YouTube. Mais pas de souci, moi j'assume tout ça. Hein. C'est un tout. Alors en tout cas, moi je me suis, je me suis éclaté. Euh, J'adore leur donner des cours. Des bises à, à, à tous les TSTN deuxième année. J'ai passé un bon moment. On va continuer. On a fait une, une première session de trois heures et on a six sessions en tout. Euh, en tout cas, ils étaient déjà beaucoup plus avancés. J'étais censé faire un module de découverte de code et je me suis rendu compte qu'ils avaient largement le niveau pour de l'introduction au code, voire largement des cours. Sur certains sujets. Donc le deuxième cours, euh, s'il y en a qui voient le Twitch là en direct ou s'ils regardent le replay, préparez-vous à transpirer. Ce coup-ci, c'est pas moi qui vais suer. Euh, je vous ai préparé, il y a de la matière. On va, on va manger du git, euh, on va euh, sûrement faire un peu du gitpod et euh, j'aurai, j'aurai deux trois projets à vous soumettre euh, qu'on essaiera de faire pendant ces trois heures là. <laughs> Toi, tes élèves, ils transpirent déjà. Ouais, tu les as déjà eus, non Ou c'est une suite de cours C'est pas le premier cours que tu as avec eux, peut-être. Mais vu les sujets, oui, je pense que ouais, c'est trapu aussi. Ouais. Ça va guiter. <laughs> ça va guiter dans les chaumières. Non, mais c'est bien parce qu'ils étaient très curieux de plein de choses. Donc, euh, comme j'ai une grande liberté euh, de, de, de ce que je peux donner dans ce cours, à chaque fois je tiens au courant l'équipe pédagogique, mais euh, il s'agit plus d'un cours d'ouverture à plein de choses. Donc, ça tombe bien parce que moi, ça me correspond bien. On a parlé de documentation un petit peu, on a parlé un petit peu des, des commentaires. Euh, on reparlera encore un petit coup de documentation, hein, parce que je vais, laisser, je vais laisser le message passer. Euh, en fonction, on verra. Peut-être que je ferai une petite intro minimale, au moins. Un petit coup de GitLab CI ou de GitHub Actions, pour qu'il y ait un petit peu de CI, pour qu'ils sachent ce que c'est, à quoi ça sert. Euh, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces élèves... Euh, bon, outre, il y, y en a pas mal qui veulent continuer là, c'est un, un BTS, mais il y en a beaucoup qui vont continuer en plus 3 ou plus 5, peu importe. Hein. Déjà là, en plus 2, il y a de quoi faire. Et euh, donc, comme ils ont envie de continuer, ils ont plein de questions. Et puis, il euh, y en a qui, ont déjà, qui sont déjà en alternance, et ça fait des profils intéressants. D'ailleurs, Goose, j'ai pensé à toi, il euh, y a un des, un des jeunes alternants qui bosse chez Bedrock, donc euh, c'est marrant. Et euh, du coup, bah, ça fait des gens qui sont déjà en contact avec le, avec le quotidien, la réalité de, du boulot. Et euh, c'est pas mal les échanges. Euh, ça permet de, de, de parler de certaines notions ou de certains outils euh, de manière beaucoup plus concrète. Bref, donc je vais bien que je fasse un petit 36-15 My Life parce que euh, entre mixtine les ateliers, les choses comme ça, vous savez que j'adore partager. Cette émission, c'est là pour ça aussi. Hein, parce que j'aime partager ce que je peux glaner comme information et comme connaissances. Mais j'avoue que le côté euh, enseignement me plaît de plus en plus. J'irai demander des conseils à Olivier euh, pour savoir comment il a franchi l'étape d'après. Pour l'instant, là, moi, c'est 18 heures de cours, donc j'ai deux groupes, ça me fait 36 heures. Mais bon, le, le cours en lui-même, j'ai 18 heures pour développer un sujet, donc c'est pas très long, en fait. Euh, J'aimerais bien l'année prochaine arriver à trouver, euh, pouvoir les accompagner. Alors l'IPi, ça serait l idéal. Pour l'instant, je trouve que ça se passe bien, mais... Euh, en tout cas, avoir un module un peu plus costaud, un peu plus soutenu dans l'année, ça me plairait beaucoup. Voilà, vous savez tout. Euh, c'est pas tout ça, mais euh, je vais reprendre le boulot dans la foulée. Puis le fait de faire mes démos, j'ai à peine eu le temps de grignoter un bout. Je vais me faire un petit café. Entre 28 et 32 heures de cours Ouais, parce que c'est. Euh, oui, ok. Mais c'est réparti sur toute l'année, Olivier bah, je, te, je te questionnerai après. J'irai te poser des questions. Ou alors. Euh, 28 heures par session, tu restes plus d'une journée alors Moi une session, quand j'appelle une session, c'est euh, un cours quoi. Ok, mais j'irai te demander les détails, je suis curieux. J'irai papoter avec toi avec grand plaisir, tu le sais. En tout cas, bon cours, si, si j'ai bien compris, c'est tout à l'heure, donc euh, bon cours. Voilà, voilà. Et eh ben euh, bisous bisous. Euh, J'espère que, bah, que ça, ça vous a plu. Je suis toujours aussi content de vous voir passer. De voir toutes ces têtes passer dans le chat ou pas. Hein. Si vous êtes silencieux, c'est pas grave. Et si vous êtes que sur le replay, c'est pas grave non plus. Et je vous dis bonne journée, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao, ciao!